Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Au vaillant peuple de Côte d'Ivoire, pour notre lutte commune, pour la libération de notre pays, je vous salue. Nous sommes tous engagés pour la libération de la Côte d'Ivoire dans la main des rebelles. C'est seulement la manière de s'y prendre qui diffère. Suivez mon regard. Lors de mon émission numéro 31, j'ai dit union, unité, mais avec quel leader et à quel prix? Pour mon émission numéro 32, j'ai dit rupture. Il faut rompre avec ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, c'est tout un système. En 1946, l'administration coloniale française a permis aux partis politiques d'exister. Le seul parti nationaliste représenté par Oufouet Boigny était le PDCI, qui avait pour base les Bidjans, les autochtones d'Abidjan. Les autres partis, comme le Parti progressiste, étaient pro-colonialistes. À l'indépendance, Oufouet est devenu président de la République de Côte d'Ivoire, a trahi les Bidjans, les autochtones d'Abidjan. Voilà où a commencé le malheur de la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà pourquoi depuis les indépendances de la Côte d'Ivoire, vous ne trouverez ni les Bidjans, ni les sudistes dans l'administration et dans les postes à responsabilité. De temps en temps, ils prennent un Adjoukrou ou un Abidji pour amuser la galerie. Pour dire que la terre sur laquelle vous avez immigré est gâtée. Alors, rupture. Quand je vois l'actualité, j'ai l'impression que les Ivoiriens n'ont pas encore compris mon message, qui est pourtant très clair. Plus de Bédier, qui s'est allié à Draman et qui aujourd'hui a été trahi par Draman, qui ne veut plus lui laisser la place pour la présidence. Plus de Gbagbo, qui a permis à Draman d'être président de la République de Côte d'Ivoire pour tuer le peuple ivoirois. Quant à Soro, lui c'est une parenthèse, qui s'est donné une gloire éphémère en devenant rebelle du Burkinabé, pour tuer les Ivoiriens que nous sommes. Donnons donc place à la jeune génération pour créer un pays avec des lois et des règles que tous vont respecter, les étrangers y compris. Quand je vous parle de rupture et de retourner à nos valeurs sources, ça veut dire tout simplement, comme nous sommes tous des Africains, nous le savons, lorsque vous arrivez dans un village, vous cherchez un autochtone du village, et vous lui demandez comment est-ce que ça se passe dans ce village, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Lui, il vous dira à tel endroit, vous ne pouvez pas y aller, tel endroit, il ne faut pas y aller. Pendant que Gbagbo était au pouvoir, le préfet Sam Etiassé s'est permis de remplacer le chef du village de Cocody. Alors que comme nous savons, nous tous, Abidjan était un village. Avant de devenir la capitale de la Côte d'Ivoire, c'était un village. Par conséquent, il y a des totems, il y a des lois et des règles. Cocody est le plus vieux village des Bidjans. Et c'est le totem dit qu'on ne doit jamais s'apprendre à ce village-là, sinon tu es maudit jusqu'à ta 50e génération. Et puisque Sam Etiassé, l'ami de Gbagbo, s'est permis de remplacer le chef du village que le village avait choisi pour prendre quelqu'un d'autre pour mettre à la place, tout simplement parce que le peu de terre qui restait aux autochtones de Cocody, le chef du village a décidé de ne pas vendre. Tout simplement parce que le Libanais qui s'appelle Fakori, qui a acheté l'hôtel Ivoire, voulait aussi prendre encore ce bout de terre. Ils ont dit non, que vous avez tout pris, c'est tout ce qui nous reste. Donc pour cela, on remplace le chef du village et on remplace par un autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque vous ne respectez pas les lois sur la terre qui vous a accueilli, votre terre nourricière, eh bien, vous aussi, on a enlevé le président que vous avez élu, qui est Gbagbo, pour
pour vous mettre un Burkinabé qui tue tout le monde, pour vous dire que nous sommes des Africains et nous avons nos lois, nous avons nos règles. Quand on joue aux intellectuels, qu'on ne veut plus se reconnaître, c'est ce qui nous arrive. Voilà le malheur qui est tombé sur nous. Et quand moi je ne veux pas dire rupture, vous ne comprenez pas, vous êtes encore là, Gbagbo, Alliance, Bété. La Côte d'Ivoire s'est effondrée. Tout simplement parce que la base elle-même n'a pas été solide. Oufoué, qui a été soutenu par les autochtones afin de pouvoir être président de la République, arrivé au pouvoir, il a trahi les autochtones. Du coup, ça a été la bouillabaisse. Tous les immigrés intérieurs ivoiriens qui venaient au sud, ils sont ministres ici, ils sont de ceux-là, ils ne savent pas qu'ils sont sur une terre avec des lois et des règles et nous n'avons pas respecté ceux que nous ont accueillis chez nous. Voilà pourquoi les étrangers aussi que nous avons accueillis en tant que peuple ne nous ont pas respectés. Pour que vous compreniez que nous sommes Africains. Nous avons nos lois, nous avons nos règles. Quand on parle la langue des autres, quand on soit intellectuel, quand on aille à l'école, ça ne change rien à nos racines. À nos racines, nous avons nos règles dans nos villages. Nous le savons très bien, c'est quand on vient de l'habitat qu'on fait autre chose. Dans nos villages, il y a des lois et des règles. Va là-bas, tu fais n'importe quoi, tu payes cash. Là-bas, il n'y a pas de compromission. Là. Il y a des règles qui sont là. Tout le monde respecte, tu ne respectes pas, tu payes. C'est aussi simple que ça. Et comme vous ne vous êtes pas approché des autochtones ivoiriens, les Bidjan, pour savoir quels étaient les totems et tout ça de l'endroit et où vous vivez. Et vous les avez mis à côté, nous y compris. Et c'est la capitale, c'est pour tout le monde en fait. Maintenant, le tout le monde là, que vous avez fait là, c'est ce que nous tous nous payons. Enlever le chef du village de Cocody pour mettre un autre en fait de brader le territoire de Cocody à Sabetia, c'est le Libanais, c'est ces mêmes Libanais là qui matraient ces Ivoiriens là qui ont commis l'erreur d'immigrer chez eux. Ok? Voilà pourquoi je vous dis quitter dans cette histoire d'Ivoirien là. Ça ne vous a rien apporté du tout. Devenez des Ivoirois et des Ivoiriennes. Adhérez au REVAS, le parti aux valeurs, au retour aux valeurs sources. C'est-à-dire que retournons à nos racines. On n'a plus le choix là. On ne peut pas. Vous allez faire quoi? Construire une maison sur des morceaux de pierre. La maison s'est effondrée. Ça veut dire que là, il n'y a plus rien. Il faut ramasser les cailloux, il faut creuser, enlever le soubassement qui a été mal fait dès le départ et reconstruire. Et ce n'est pas avec un Bédier, ni avec un Gbagbo ou Soro le rebelle qui s'est dit c'est nouveau, mais qui sait qu'il est Burkinabé. Évidemment, donc quand son frère Burkinabé est venu, c'était facile pour lui. Vous comprenez? Il faut vous ressaisir, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, il est temps que nous comprenons qu'avec ce qui nous est tombé dessus là, à cause de nos aînés lacistes qui n'ont pas pris leurs responsabilités, il faut absolument tout raser afin de reconstruire. Dans tout pays, il y a des étrangers. On n'a pas dit qu'on n'a pas besoin d'étrangers. Mais les étrangers seront obligés de respecter nos lois. Comme quand nous allons dans leur pays et que nous respectons la leur. Chez nous ne sera pas... je ne sais pas. Voilà. Donc mon message aujourd'hui, c'est pour vous dire arrêtez de vos histoires de « je suis bédi ». C'est fini. Aujourd'hui, c'est notre pays. Et dans le pays, là, il y a des rebelles au pouvoir qui tuent tout le monde. Il faut comment faire pour se débarrasser de ceux-là? C'est ça qui est important. Ensuite, chercher parmi la jeune génération, comme le docteur Israël Goran enfermé en prison, il y a plein d'autres Ivoiriens comme ça capables, qui sont capables de gouverner ce pays-là, mettre des lois et des règles que tout le monde va respecter. C'est que les Bédiers et les Gbagbo n'ont pas su faire. Vous comprenez? Alors, mais pas de quoi? Alias c'est un Bédier. Alias c'est un Soro. C'est pas ces mêmes alliances que vous avez fait que aujourd'hui on est en train de nous tuer là. Ce qui n'a pas marché là, on continue encore dans ça. Donc, pour mon émission numéro 32, là, c'était ça. Rupture. Réfléchissons ensemble pour nous débarrasser du dramatique. Sur ce point-là, on est d'accord. Mais c'est pas tout. Hein. Même si on s'est débarrassé du dramatique là, ceux-là qui ont emmené ce chaos où les gens sont morts là, ce ne sera pas vain. Voilà. Vous n'avez pas su faire, donc allez vous asseoir, soyez nos conseillers si on a besoin de vous, afin qu'on construise une république où étrangers ou ivoiriens va vivre et respecter les règles comme dans tout pays qui existe. Vous comprenez? Et nous, jeunes générations, quand on vous voit, on est vraiment désolés. On est désolés. Voilà. Donc, c'était ça. C'est l'Amazon de Kensi pour les brèves de Anne de Luce. Paix et joie à la Côte d'Ivoire.